je vous fais une vidéo sur ma commande d'Avidity et les thés que je me suis procuré dernièrement. Au moment que j'accumule des thés, en fait, j'ai fait une commande et puis j'ai acheté toutes sortes de thés et j'avais vraiment envie de vous montrer ça. Donc voilà, je commence maintenant. Alors voici ici ma boîte. Alors dans ma boîte en fait il y a et du Avidity et du thé en fait que j'ai acheté soit à l'épicerie ou bon dans les boutiques quand je me promène. Alors je vais tout d'abord commencer par les thés qui ne sont pas de chez Avidity parce qu'en fait j'ai quelques petits trucs à vous dire sur ma commande d'Avidity. Donc je vais vraiment commencer par les thés qui viennent d'ailleurs. Tout d'abord, j'ai ici une tisane, en fait, qui est un rooibos rouge de Rudolph. Alors, je vous montre ça ici. C'est sûr que c'est plutôt une édition des fêtes, donc ça fait déjà un moment que je l'ai acheté. Ça se présente comme ceci, donc ce sont des sachets et non du thé en feuilles, finalement, à faire infuser dans une petite boule. Et ça sent énormément fruité. Alors, ça sent presque un peu le drink de thé, là, un peu au canneberge. Ouais, c'est assez curieux, mais voilà. Donc l'odeur est très très présente. J'ai pas encore goûté honnêtement, pour l'instant je me suis juste procuré la petite boîte, en fait, la tisane. Mais voilà, éventuellement je vais tester. Très exactement, dans cette tisane-là, c'est écrit que c'est un joyeux mélange de canneberge rouge lumineuse, de douce vanille crémeuse et de rooibos rouge de première qualité. Alors, c'est la première fois que j'essaye des thés aux tisanes de cette compagnie-là, qui est en fait Tealish. Donc, voilà ici, comme ça. Et pour l'instant, j'ai rien à vous dire là-dessus parce que je n'ai pas encore essayé. Donc, aussitôt que je vais être rendue à ça, ben, je vous donnerai des nouvelles. Ensuite de ça, j'ai deux thés, finalement, que j'ai achetés en même temps, qui sont de la même compagnie, mais qui ne sont pas la même chose. Et j'ai d'ailleurs une boîte qui est tout bousillée. Ça, c'est parce que mon chien a marché dessus. Donc, je vous montre ça ici. Alors, la petite boîte ici, là, c'est un mélange de thé blanc, fleur de sureau et myrtille. Alors, j'ai pas encore essayé, j'ai même pas senti d'ailleurs, c'est ce que je vais faire à l'instant. Je n'aurai pas un sachet juste pour sentir tout de suite, mais à travers, je peux sentir qu'en effet, ça sent beaucoup la myrtille. Et le thé blanc, de manière générale, c'est un thé qui est plutôt doux, donc c'est pas un thé qui a une odeur très très forte. Donc dans ce cas-ci, je sais que ça va être beaucoup plus les fruits là, qui vont ressortir. Alors pour ce qui est de la petite boîte blanche ici, c'est en fait une grenade de rooibos et baie d'acai. Donc je vous montre ici. Dans les deux cas, les boîtes sont super belles, donc c'est super cute. C'est de la compagnie English Tea Shop. Ensuite, je me suis procuré ici un thé minceur finalement, à saveur naturelle de canneberge et de cerise. Alors là, allez pas penser que j'essaie de faire une grosse diète et que je veux perdre du poids absolument. En fait, la raison pour laquelle je me suis procuré ça, c'est que moi, le pharmacien, ce qu'il m'a conseillé, c'est que c'était bon pour la digestion de manière générale. Alors comme j'ai un peu des problèmes de digestion, c'est super pour ça. Donc moi celui-là que j'ai acheté, c'est le 4 o'clock. Donc voilà ici la petite marque. Et je ne l'ai pas encore essayé parce que je viens juste de me le procurer. J'ai hâte de voir si vraiment ça va faire un changement au niveau de ma digestion. Donc c'est ce qu'on m'a recommandé et ça m'avait l'air d'être un bon mélange, canneberge et cerise. Donc on verra. Finalement, dans la catégorie thé qui ne viennent pas de chez Avidity, je me suis procuré ici la tisane biologique Detox. Alors, mélange de plantes pour tisane. Et c'est de la compagnie Flora. Donc, ça aussi, je ne connaissais pas du tout. Je vous montre ça ici. Et ça, je me suis procuré ça dans une boutique d'aliments plutôt bio. Alors là, c'est pour la digestion. Je me suis acheté ça un peu en même temps, finalement, que ma tisane pour la digestion. Donc, j'essaierai les deux, puis je vous en reparlerai. Alors, on est maintenant rendu à la catégorie d'Avidity, donc la partie que je préfère le plus parce que je suis littéralement en amour avec les produits d'Avidity. Alors là, j'y vais vraiment de manière aléatoire. Je vous parle un peu de mes réflexions, de mes pourquoi j'ai choisi tel produit ou qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je commence maintenant. Tout d'abord, je me suis procuré ici la collection des petits thés de Noël. Alors, comment ça fonctionne? C'est que c'est les trois thés ici qui viennent dans un emballage comme ça. Et en fait, c'est trois petites boules de Noël. Donc, je vous les montre. Alors, ici, on a les petites boules. On fait juste retirer et hop, on a ici la petite corde. On peut attacher ça à l'arbre de Noël. Là, c'est sûr qu'il est un peu trop tard. On est rendu pas mal au mois de juin. Mais éventuellement, ben, quand j'aurai terminé les thés qui sont à l'intérieur, ben, je vais accrocher ça dans mon sapin de Noël. Alors comment ça se présente, c'est que dans chaque boule, on a ici un petit sachet de thé ou tisane ou peu importe ce que c'est.
Donc, c'est bien compacté. Une fois qu'on le déroule, ça donne à peu près ça. Alors, ce que j'ai pu lire, c'est que dans chaque petite boule se trouvent 20 grammes de thé. Donc, pour un total de 60 grammes de thé, hein, si on fait le calcul. Alors, moi, j'ai choisi... j'ai pas choisi, mais dans le paquet cadeau venait le lait de poule, la promenade en traîneau et le secret du Père Noël. Alors, je vous en ai pas encore parlé parce que je viens juste de le terminer, mon thé, le secret du Père Noël. C'est un thé avec lequel je suis tombée littéralement en amour. C'est un des meilleurs, honnêtement, c'est un thé noir. C'est un des meilleurs que j'ai goûté jusqu'à maintenant, en tout cas dernièrement. J'ai vraiment, vraiment aimé le goût. Et vu que c'est une édition spéciale de Noël, ce qui est arrivé, c'est que c'est plus disponible. Donc moi, je suis allée dans la section spéciale, finalement, des ventes de Davidity. Et il y en avait donc en vente. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la collection qui contenait ce thé-là. Donc dans ce cas-ci, c'est la petite boule rouge qui est ici. Comme je viens de vous l'expliquer, j'ai vraiment beaucoup aimé la collection Le Secret du Père Noël. Donc je vous montre ici, j'ai acheté deux petits pots comme ça de 24 grammes chaque. Donc je les ai pas encore ouverts, mais c'est encore là Le Secret du Père Noël que j'ai pris. Vraiment une édition que j'ai adorée. Et je vais tout faire pour garder ces petits contenants-là le plus longtemps possible. Je vais pas toutes les boire d'un coup sec parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et autre chose qui est bien intéressante, c'est qu'en fait, les petits pots sont aimantés. Donc, c'est pas des masses, c'est sûr que c'est pas hyper... c'est quand même assez solide, là, mais c'est pas des gros aimants. Mais c'est quand même super, on peut les empiler. Et puis, ça peut faire des petites boîtes pour entreposer les bijoux, pour entreposer peu importe ce que vous voulez. Alors, un autre thé qui faisait partie de la collection des thés de Noël, c'est le Grand Maman Gâteau. Alors, c'est un oolong, un thé oolong. Je vous montre ça ici. Alors, ça fait partie du même principe que le thé, le secret du Père Noël. Alors, ça vient dans une petite boîte comme ça. Et puis, c'est encore là, aimanté. Alors, le thé grand-maman gâteau, en fait, celui-là, il contient racines de kiore, ananas, papaye, cannelle, noix, pommes, gingembre, amandes grillées. Donc, toutes des choses très, très réconfortantes une fois qu'on les mélange ensemble. Et voilà. Donc, moi, dernièrement, j'ai terminé un format... plus petit que j'avais dans une de mes collections de Noël, mais voilà, je me suis procuré ce format-là aussi. Vaut mieux en profiter pendant qu'ils sont encore disponibles, parce que souvent, Davidity, c'est des éditions qui sont limitées, donc si on aime vraiment une sorte, on est mieux de se procurer le plus possible de cette sorte-là avant qu'elle soit complètement discontinuée. Alors, le prochain thé que je me suis procuré, c'est un rooibos de... en fait, c'est le cannelle sucrée de chez Davidity, bien entendu. Donc, c'est une petite boîte comme ça, et ce sont des sachets de thé. Celui-là contient morceaux de nougatine, cannelle, fruits de moine, rooibos, arôme naturel de caramel et de cannelle. Donc voilà. C'est un thé en fait qui est sans caféine, donc on peut le consommer autant le soir que en fait peu importe quand vous voulez. Vous n'avez pas de risque de rester éveillé toute la nuit. Et voilà, au niveau de l'odeur, donc l'odeur de cannelle est très très présente. Naturellement, parce que le titre c'est cannelle sucrée, donc c'est un peu normal que ce soit la cannelle qui ressorte le plus. Donc très hâte d'y goûter à celui-là. J'ai commandé un thé noir qui en fait le lisait sur mes lèvres, je vous montre ça ici. Je ne suis pas une fervente du thé noir, sauf pour ce qui est du secret du Père Noël, donc celui-là. C'est ça, donc habituellement j'aime pas les thés noirs sauf quand ils sont bien aromatisés et j'aime les thés noirs qui vont avoir une petite touche de sucre. Donc le lisé sur mes lèvres, c'est le cas. Alors je peux vous parler un peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc bon, thé noir naturellement. Menthe poivrée, chocolat, beurre de cacao, laitine, grains de poivre rose, perles de sucre. Donc voilà, je vous donne un peu les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que c'est plus intéressant parce que je vous ai emmené un autre thé en exemple. Un autre thé noir que je me suis procuré dernièrement, c'est le Assam de Manaspati. Celui-là, je le trouve très acre. C'est pas un thé noir que j'aime spécialement. Il est dur à consommer dans le sens où il y a un goût très amer et puis ça n'a pas de saveur particulière qui font que waouh, tu sais. Ça fait un peu penser à certains thés verts. Donc voilà, j'ai pas spécialement aimé celui-là. T'sais, on le sent, puis... les amateurs de thé, ceux qui vont vraiment aimer les thés bruts, donc les thés noirs bruts, les thés verts bruts, vont aimer ce genre de thé-là. Mais moi, j'aime bien quand il y a une petite dose de quelque chose qui fait qu'on a le goût de le savourer. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai montré celui-là. Ce n'est pas un que j'aime beaucoup, beaucoup, mais dans le cas de l'user sur mes lèvres, alors juste à l'odeur, on le sent, c'est plutôt sucré et on sait qu'au goût, il va être très bon. Alors, petite particularité de ce thé-là,
En fait, je vais vous montrer de plus proche. Dans le sachet, on voit qu'il y a des petites bouches comme ça, puis il y a des petites perles grises. En fait, c'est des petits morceaux de sucre qui vont se dissoudre dans l'eau lorsqu'on va faire chauffer tout ça. Donc, en plus d'avoir un côté pratique, ben, c'est cute. Donc, ça fait super le fun à infuser. Alors, finalement, dans ma commande, c'est à peu près tout ce que j'avais commandé. J'ai commandé une théière aussi, puis une tasse, sauf que ça, je ne vais pas vous les montrer parce qu'ils sont présentement en utilisation, c'est-à-dire qu'ils sont sales, il faut que je lave ma théière. Mais voilà, donc ça, je ne vais pas vous les montrer. Mais quand j'ai reçu ma boîte, j'ai eu une surprise dont je ne m'attendais pas du tout. J'avais pas du tout commandé ça. Donc, j'ai reçu deux sachets ici de 50 grammes chaque. Donc, c'est quand même un bon format de crème coco menthe. Alors ça, c'est super parce que ça fait aussi partie d'une des collections de Noël. Alors la crème coco menthe, elle est juste parfaite. C'est vraiment, c'est une infusion de fruits en fait. Et voilà, donc c'est juste très très bon. Je suis pas non plus une grande fan de tout ce qui est noix de coco, mais dans ce cas-là, c'est juste bien dosé entre la menthe et la noix de coco. Donc, je peux vous dire un peu ce qu'il y a à l'intérieur. L'infusion de fruits est composée de pommes, noix de coco, feuilles de ronces communes, menthe poivrée, menthe verte, arôme naturel de noix de coco. Alors, très très simple comme composition, mais tellement bon. Alors, celui-là ici, il y a zéro caféine à l'intérieur. Comme je vous dis, une infusion de fruits, habituellement, il n'y a pas de caféine là-dedans. Donc, c'est fait pour détendre, c'est fait pour relaxer. Justement, un thé que je voulais aller me chercher en vrac à la boutique d'Avidity. Puis quand je les ai reçus, j'ai dit, ouais, ben je pense qu'ils ont lu dans mes pensées parce que c'est vraiment une sorte que j'ai aimée. D'ailleurs, c'est un des premiers thés que j'ai terminé dans une de mes collections de Noël. Donc voilà, j'étais super contente. Donc merci beaucoup, Davidity. Ça a été un cadeau. J'ai pas du tout payé ça. Puis j'ai reçu 100 grammes de thé, ce qui est assez énorme. Alors, c'est tout pour ma commande. Maintenant, j'ai une autre partie à vous parler. En fait, Davidity, comment ça fonctionne, c'est que vous avez une carte de membre et puis vous allez en magasin et lorsque vous achetez, vous présentez votre carte de membre. Et chaque dollar vaut un point. Donc, si vous achetez pour 50 dollars, vous avez 50 points. Et il y a à peu près à chaque 3 mois, je crois, vous avez une période de 3 mois où ce que vous pouvez dépenser vos points. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est aussitôt que vous avez 100 points accumulés, vous avez 50 grammes de thé gratuit. Donc, moi, vu que j'ai acheté sur Internet et que j'ai acheté en boutique, j'ai accumulé pas loin de 300 points en quelque chose comme 2 mois. Donc, j'ai vraiment beaucoup consommé. Donc, j'avais droit à quelques sachets de thé gratuits. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on se présente en boutique et puis on dit tout simplement à la conseillère, ben, fais-moi sentir tel thé, j'aime plus ça, j'aime moins ça. Et elle va vous en sortir quelques-uns selon vos goûts, selon ce que vous lui avez demandé. Alors moi, mes choix se sont arrêtés sur ces trois-là. Hop, donc je vous montre ici. Alors le premier, c'est le Goji Pop. Alors le Goji Pop a été le thé du mois, je me souviens plus de quel mois, mais je crois que ça fait 2 mois de ça, ou en tout cas dans les derniers 2 mois ou 3 mois. Bref, ça a été le thé du mois. Alors c'est une infusion de fruits composée de pommes, baies de goji, fleurs d'hibiscus, fruits du rosier, melon, miel, pétales, de soucis, et voilà, bon. Donc, juste des bonnes choses. Alors, si vous pourriez sentir l'odeur que ça a, c'est vraiment mes traits, là. Je vais juste ouvrir le sachet, puis j'ai déjà mes papilles, là, qui sont très dilatées, donc ça donne vraiment le goût. C'est sûr que ça a un petit côté surette, mais ça sent très, très bon, et le goût, il est très bon aussi. Alors, ça, c'est une infusion de fruits que vous pouvez vous faire aussi froid. Donc, ça se fait. Tout ce que vous devez faire, c'est infuser votre thé comme à l'habitude et puis éventuellement le laisser reposer et ensuite le mettre avec de la glace dans un contenant et vous avez votre thé froid. Donc ça, très bonne suggestion de thé froid pour l'été. Donc Goji Pop. Ensuite, je me suis procuré une tisane biologique, en fait c'est le Sérénité. Alors celui-là, Sérénité, je vous montre ici. Je suis rentrée dans la boutique et puis il sentait déjà, donc dans toute la boutique ça sentait énormément cette tisane-là, puis je leur ai dit qu'est-ce que ça sent, je veux goûter. Donc voilà, ça sentait beaucoup dans la boutique et je leur ai dit je veux absolument sentir et goûter cette tisane-là. Donc c'est ce qu'ils ont fait et puis ça sent mais trop trop bon, je suis vraiment contente d'avoir choisi celui-là. Alors, c'est le Sérénité. Donc, ce mélange apaisant constitue un aller simple vers votre bonheur intérieur. Allez la vie, nous avons ce qu'il faut. Donc, c'est la petite description qu'il y a en dessous du nom. Alors, c'est ici, à l'intérieur, il y a du raisin de Corinthe, fruits du rosier, lavande, menthe verte, bleuet,
pomme, hibiscus, pétale de rose, fraise. Donc, beaucoup, beaucoup de fruits, beaucoup d'éléments floraux. Ça sent très, très bon. J'ai envie d'en manger à la poignée tellement ça sent bon. Et puis ça aussi, jusque maintenant, je m'en suis pas faite souvent parce que j'essaie de le garder le plus longtemps possible. Mais voilà, donc si vous aimez les tisanes qui sont très relaxantes mais qui ont un bon goût prononcé au niveau des fruits, je vous recommande celui-là à 100 000 à l'heure. Finalement, le dernier 50 g de thé que j'ai eu gratuitement, alors c'est l'infusion de fruits dragon magique. Alors, on dit que le fruit du dragon contient tellement de bonnes choses que c'est le nouveau super fruit. Faites-en vous-même l'expérience avec ce mélange fruité. Donc, voilà la description. À l'intérieur, il y a pommes, fruits du rosier, hibiscus, feuilles de ronce, fruits du dragon et bleuet. Donc, je vous montre ici. Alors, ça aussi, c'est un des infusions de fruits qui était présenté en même temps que le sérénité, donc celui que je vous ai montré juste avant. Je crois que c'est vraiment le mix parfait, donc il sent terriblement bon. Celui-là, par contre, le goût est un peu moins prononcé. En fait, l'odeur est un peu moins prononcée que le sérénité, mais il est tout aussi fruité, sauf qu'on n'a pas le petit arrière-goût plus surette qui est là. Donc, quelque chose de plus mort, mais quand même très, très fruité. Donc, voilà, ça aussi, ça donne le goût d'en manger à la pelletée. Et le gros avantage de ce que je me suis procuré, ce sont toutes des infusions de fruits. Donc, c'est tous des produits que je peux utiliser à n'importe quel moment de la journée. C'est toutes des infusions de fruits qui vont être très relaxantes. Donc, je pense que j'ai fait le bon choix au niveau de mes thés gratuits. Alors, c'est tout pour ma commande d'Avidity et les thés que je me suis procurés dernièrement. Éventuellement, je vais faire une autre grosse commande parce qu'il y a plein de spéciaux sur le site de d'Avidity. Donc, toujours très contente d'essayer de nouveaux thés. J'aime beaucoup les petits emballages d'Avidity. C'est super cute. Donc, j'adore ce site-là. Alors, on se revoit bientôt pour une autre commande d'Avidity. Bye!